Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour une nouvelle vidéo, mais pour le défi du mois. Alors il y a beaucoup de chaînes qui le font, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire, ça crée une interactivité voilà, avec les abonnés, la chaîne, ça peut être sympa. Sauf que ce défi, je vais vous le décrire, faudra pas me l'envoyer parce que j'ai trop de choses partout. Et j'ai pas de place, sincèrement, j'ai plus de place. Donc, bon, à part une fois comme ça, où, voilà, il faudra. Mais sinon, les défis du mois, on va pas les envoyer, quoi. Par contre, les gens qui ont une chaîne, vous pouvez le faire en direct sur votre chaîne. Et puis les autres, si vous voulez m'envoyer, par contre, la photo, ben, je veux bien que vous m'envoyez la photo par mail. Vous avez mon adresse mail dans tout ce qui concerne la chaîne à propos. Hein, bon, de toute façon, vous me le demandez, voilà. Et ça, je vais vous m'envoyer le mail si vous en avez envie. Et puis au moins, je verrai, bah, ça me fera plaisir aussi de voir ce que vous avez fait. Voilà. Et il y aura un petit truc à gagner. Alors, je vous ai dit, ce ne sera pas des choses énormes. Hein. Là, en l'occurrence, comme action, on ne peut pas accéder au scrap, il n'y a rien. J'ai regardé, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la semaine promotion, truc comme ça. Bon, pour cette fois-ci, bah, je pense que ça sera réouvert au mois de mai, je pense. Fin mai, je pense, je sais pas. Donc cette fois-ci, ça sera ce que j'ai créé moi, quoi. Voilà. C'est de toute beauté aussi, hein, vous n'y perdez pas. Hein. Voilà, alors, je vais vous décrire pour ce qui sera du tag. Alors, voilà, au départ, c'est un peu facile, des fois, ça sera plus difficile. Voilà. Ah oui, on va pas rester toujours au truc. Hein. Alors, cette fois-ci, pour le défi du mois d'avril, ça sera un tag. Un tag sur un papier cartonné. Je vais tout vous réécrire après dans la barre d'infos. Un tag cartonné et la taille, il fera 15 cm de haut sur 10 cm de large. Un tag cartonné, 15 cm de haut, 10 de large. Avec les éléments dessus, un animal au choix. Mettez l'animal que vous souhaitez, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce que vous avez chez vous, j'en sais rien. Un animal au choix. J'avais mis ça, mais après je l'ai barré. Avec un fond de nature, bah, printanière, plutôt printanière. Hein. Un fond de nature, un sentiment, et puis c'est tout. Voilà. Ça sera pas plus compliqué que ça. Un tag. Papier cartonné, 15 cm de haut, 10 cm de large, avec un animal au choix dessus, une nature, un fond de nature printanier, et un sentiment ou un mot, enfin voilà, hein, je chipote pas là-dessus, parce que moi-même, j'ai des sentiments, ouais, mais bon, des fois, on n'a pas tout ce qu'il faut non plus, hein, un sentiment, un mot, faites comme vous voulez. Et ce qu'il faudra pour participer, c'est mettre un commentaire. Et dans le commentaire, vous n'avez pas besoin d'écrire une tartine, hein, je m'en fous. Vous mettez juste votre commentaire avec le mot tag dessus. Dans le commentaire, il faut qu'il y ait le mot tag. Après, pour le tirage au sort, donc ça sera, bah, vu qu'on est le 10, je ferai ça dans la première semaine de mai, quoi. Voilà. Pour le tirage au sort, je prendrai mon autre téléphone, là, ou celui de Philippe, je sais pas, je ferai défiler et je cocherai comme ça au hasard, quoi. Je ferai défiler les noms et paf, j'appuierai comme ça au hasard pour faire le tirage au sort. Voilà. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait le mot tag. S'il n'y a pas le mot tag pour le tirage au sort, je serai obligé de supprimer le. Quoique non, ça me fera recommencer le tirage au sort. Quoi. Voilà. Mais bon, bah, n'oubliez pas de mettre ce mot. Je vous récapitule tout dans la barre d'infos. Et puis, je vous dis, si vous avez envie de l'envoyer en photo, en par mail, bah, il n'y a pas de problème. Si je peux, j'essaie de faire un montage avec les photos, mais ça prend beaucoup de temps, donc je ne suis pas sûre. Hein, mais bon, voilà. Et puis c'est tout les amis. Et puis les gens, oui, qui ont une chaîne, bah, vous gênez pas pour faire le défi en vidéo, quoi. C'est pas un problème. Je vous ai tout dit. C'est une très courte vidéo. Je vais tourner derrière la vidéo si j'étais. Le tag si j'étais là. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end. Il fait pas beau du tout. Il fait pas beau, non.
Mais bon, il paraît que ça va être comme ça quelques jours, mais ça me gêne pas plus que ça. Moi, ce qui me gêne, c'est la pluie, mais le reste, m'en fout. Voilà. Comme ça, c'est dit. On est clair là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous retrouve certainement. La vidéo tag, je la mettrai peut-être dimanche ou lundi, je sais pas. En attendant, bah, portez-vous bien. Bon week-end et à très vite. Et commencez. Le défi est lancé là. Vous pouvez déjà préparer votre colle, votre règle, votre papier, tout ça, et commencer. Attention les amis. En gros, vous avez 3 semaines. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous. Bye bye.